C'est nous deux. Ah, c'est nous deux. Chris, c'est assez bien. J'avais mis initiation, pareil. Ah, c'est... Mais, ouais. My bad. Mais... L'album est Flames. L'album est très Flames. C'est un 10, ma magazine chez Corvette. Satan. Très vrai. C'est un 10, mais reste à chute aux stardes. Un 10, ma vie à Shaoui, zéro. Ouais, c'est ça, zéro, gros zéro. Est mieux se déplacer, la tabarnak. Ouais, le 7 commence. OK. Game & Watch, Isabelle, Town & City, ça part. Alright. Here. OK, ça commence fort. Ah, ça okay. commence fort. Un petit 43. Total Stage Control. La mine est placée, la mine d'hip-hop. Ça part. Ah ouais, beau spot dodge. On vient chercher d'autres appareils. Beau. On est allé chercher. L'autre ami. Okay. Up air. Up air, yes. Oh, oh. C'est haut là. Ah oh, ouais, c'était rendu haut. Ça peut être dangereux d'un up air, un air. Mais mon grand chum, Kev. Oui. Qu'est-ce qu'on pense de ce match-up? Je pense que c'est bon. Ce match-up-là, il est en faveur de Game & Watch. Ouais, je suis au courant. Le problème avec ce match-up-là, par exemple, c'est que Isabelle peut tellement être désagréable. Je pense que c'est un skill échoué. C'est un skill échoué, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Pas sûr que McKinnon pense pareil, mais on va voir ça dans le set. Écoute, grosse chaise! Ah, gueule! Elle dit, c'est ça. Ok, chaise un autre nair, un autre nair, ça passe pas. Okay. Belle bombe nair. Ok. La chaise, je sais pas comment Metapol va faire pour rentrer là-dedans, ça marche pas. C'est vraiment pas un character qu'on aime boxer avec, Demon Watch. Puis Isabelle, pas la veste à boxing. Oh, nice fist. Oh, c'est un très beau allô? Allô? C'est quoi qui nous cuisine? Pardon? J'étais courette, ok. Nair? Un deuxième? Oh, la weight! Ok, ok. Ok, up air! Oh, la patience, c'est pas un marteau qui passe pas! La patience de cet homme, là, c'est quand même fou, là. Ok. Ok. Abby? Eh, ça a l'air compliqué. Mais honnêtement, là, c'est... On peut aller chercher, là, absolument. Là. Ok. Un autre hobby. On tente un... Ok. Vraiment très passif. Hey, le knife! Ça serait pas une game de McKinnon sans un knife. C'est vrai. C'est très classique. Fait que c'était un convincing three-star. Honnêtement, le plus convincing qu'on a eu à date. Ouais, quand même. By a mile. By a mile. C'est fou. C'est fou. Ça, c'est rough, là. Ouais, ouais, c'est... Je comprends pas comment il y a autant de nains. C'est bon, ça. Oh, on t'a vu, Apili. On t'a vu, c'est Apili, juste... Shout out. Elle vient-tu du sac? Oh. La personne, le cousin éloigné ou genre la personne qui va faire de la motocross? En tout cas. Whatever. Alors, bah non, c'est peut-être pas tes personnages préférés, mais c'est des boys préférés, fait qu'on va rester garder le set là. S'il vous plaît. S'il te plaît, Bano, s'il te plaît. Les deux. Je vais pas gueuler de main de la soirée, moi. Hein? Je vais pas gueuler de main de la soirée, moi. Non, mais c'est sûr. La voix manée. Pour ce set-là, je pense qu'on va parler moins fort. Je suis prêt à compromettre ma voix. On est où, là? On Saguenay? On est... On est sous Battlefield. On est sous Battlefield. Hey, emmenez que maintenant je suis Battlefield, t'es pas gêné, hein? Honnêtement, je me garderai une réserve. As Falco, peut-être, mais As Isabel, Okay. Quand l'autre absolument tout dans cette advantage state, c'est vraiment très fort. Le bear, yup. C'est très convincing. Allô! Hey, ça revient pas, ça revient pas. Oh my god! Zero to death! Honnêtement, zero to death, c'était toutes les prédictions parfaites. Il savait tout. Ouais. Il voit dans le futur, le tabarnak. C'est Nostradamus, ce qu'on dit. Nostradamus du Game & Watch. C'est Game & See the Future.
comme Future, comme Travis Scott. I can see the future. All right. Un gros confident 20% ce mec-là. 34. Ça gap. On cherche à faire une impression. Là. On est qualifié pour le Into the Empire. C'est quand même un petit bout qu'on n'a pas joué. Ah, il l'a sauvé. Ah, il l'a sauvé. Insane. Insane awareness. Ah ouais, c'est très bonne awareness de la grimace. Ok. Pétion pour changer. Oh, le 5! 5? Je pense qu'il y a rien que deux drapeaux dans son arsenal. Un 5 et un 9. C'est tout. En parlant de ça, on va s'en avoir un. Un B, yes. Un autre. Hey. Oh, le taunt into, je te regarde avec mon 5B, va chier. Okay. Et... Honnêtement, ça a l'air de ma bot lane en ce moment. Oh! Oh! Ok! Session stop! Sign of life! On va voir ce qui va se passer. Ok. A bear. Un autre 5! Je te l'ai dit! Il y a rien que deux drapeaux! Il y a un bear pour venir sur stage. Ok. Oh! Deux! Un deux! J'ai 8! Dit. Excusez! 5-2-8! 5-2-8 à l'heure? C'est quel code régional ce 5-2-8? Pensez-vous qu'il est en train d'écrire son numéro de téléphone pour les mademoiselles dans le chat? Mademoiselle, le numéro de téléphone est le 5-2-8! À date, c'est ça. On va attendre. Je pense qu'il y a un 9 qui s'en vient après. Ah, peut-être? Oh! Oh, le tech! Les hobbies, là. Faut commencer à techer ça, pas le choix. Là. Yes. Okay, back here. Et on a attrapé le poisson, ça va faire truer. Oh! J'essaie de zone out un peu. La patience de... Allô? C'est quoi, c'est un 3? 3? Les D-bags! Une touche de dash attack, show bag! C'est vraiment très 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 confident. Ah, oh, c'est bon. Ça le sépare du reste, honnêtement. Hey, le monde, on continue avec. C'est un 10 mai, hein? Ça... On dirait du Jolly Smash. Ouch! C'est chien, ça! Ouch! C'était pas un teabag, c'était optimal pour Dodge la garnotte. Flies a raison. Shout out à Flies Killer. C'est qui est cool, Flies. C'est qui que j'allais l'avoir. Bon, game 3. 2-0. Sur Battlefield encore. Un running back. Hey, non mais. Pourquoi traîner Game & Watch sur Battlefield? Moi c'est ça que je comprends pas. Oh, la grosse tune de Brawl. Nair, deuxième. Non mais, on peut-tu avoir une explication scientifique à ce petit gars-là? C'est quoi qui se passe? Ça a l'air quand c'est trou, c'est un 9. C'est peut-être ça. Un 3? On doit avoir un numéro... Tu veux rechecker à vol, on peut avoir le numéro complet à McKenna. Ouais, c'est ça. Alright. Hoppy. Oh. Ok. C'est plus serré que ton gros statement, là. Ouais, on a un petit peu de sign of life, mais... Oh, quand même vraiment très dominant. Oh, le forward smash. Okay. Smash. Call out the landing. Ça prend rien qu'un air, là, il nous l'a prouvé 2-3 fois déjà. Et pas là, c'est parti. Et... Dans 3, side B. Fait qu'on a un 2 et un 3. Fait que 5-2-8, 2-3. 9-2-3, je veux dire. La cruauté animale, ça ressemble à ça. C'est pas pour les doux, là. Ok. Oh! Quand par le Lloyd. Quand la pêche a passé proche. C'est ok. Les points. Ok, okay. 3, il nous en manque 3 pour un numéro. 1. Ok. Il nous en manque 2 pour un numéro. Je pense que c'est un 9. Non. Je le savais. Il nous en manque 1 pour un numéro de téléphone. Et voilà, à la maison. On se repogne en graines, dis-moi. On se repogne. À winner final.
insane showing. Convincing 3-0. C'est... Fait que... The winner's final, ça va être Eastside, Lagrimas. Yep. Sauf que là, on s'en va sur un Meneuf Shadow. Shadow qui a outplay son seed quand même beaucoup. Honnêtement, ce set-là, là, aurais-tu les TikTok du monde qui se font donner des Grimace Shake? Ouais. C'était pas mal ça. Qu'est-ce qu'il mange pour être bon de même? Il est vegan, fait que probablement du gazon. C'est pareil comme dans Scott Pilgrim, le vegan power-up. Alright. On attend. Ha ha.